Yalla, 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 YouTube, comment vas-tu? On se retrouve sur Valheim. Si le PC fonctionne, si on n'a pas de crash, si on se souvient comment on joue, etc, etc, etc. En tout cas, on est là pour essayer de terminer le jeu. Est-ce qu'on va y arriver? Rien n'est moins sûr. Ça fait plaisir de revenir sur Valheim. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu sur Valheim. D'ailleurs, on a un tas de choses à faire, de préparation, de préparatifs. Salut Jean-Guillaume. On a un tas de préparatifs à faire puisqu'il faut qu'on ait notre dernier stuff, nos dernières armures. Les amis, c'est parti. Ni plus ni moins. Je sais plus du tout où on en est, je sais plus si j'ai de la ressource. Yalla, yalla. Je sais plus si j'ai de la ressource, je sais plus rien, je sais plus du tout où on en est, quoi. Donc voilà, espérons qu'on s'en sorte bien. Faut que je mette mon clavier en QWERTY, me semble-t-il. Espérons qu'on ait surtout de la bouffe pour aller tuer le boss. Parce que j'ai pas trop envie de farmer de la bouffe, mais si on doit le faire, on va le faire. Hein. Alors, on va farmer. On va faire nos armures. On va faire beaucoup de choses. Oh yes, c'est vrai. C'est vrai que je me mettais là. Alors c'était Alt F3, non? Contrôle F3. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour à tous! Moi-même et mes deux gros œufs. Faudra aller tuer de nouveau Mother pour prendre la vraie tête et faire le trophée. Plutôt que d'avoir ce petit trophée, mais c'est vrai que j'avais fait ça, je me souviens. Oh là là, la belle base. Oh la belle base. Comment on sort de là? Olé! Petite roulade. On n'est pas en QWERTY. On est en QWERTY ou on n'est pas en QWERTY? On est en QWERTY. Yes, il fait nuit, on va aller dormir. Vous voyez rien? Moi non plus. Oh, c'est beau. Ici, il y a des escaliers, je m'en souviens. Oh là là, magnifique. Waouh. Allons faire un petit tour dans la taverne de nuit avant d'aller... Tu es en feu? Ah, j'étais en feu parce que j'ai appuyé sur les F3 et les F4, je pense. Ah, attendez, Alt F3. Contrôle F3. Ah voilà, c'est ça, Contrôle F3. Ouais, tout va bien, vous inquiétez pas, je l'ai même pas vu. Ah, Alt F4. Eh ouais, abruti. Quel gros naze. Oh, j'en peux plus de ma vie. C'était pas avec Alt, c'était avec Contrôle. Contrôle F3, Contrôle F4. Non, mais je brûle pas du tout, tout va bien. Tout va bien, les amis. Mon PC fonctionne bien. Et moi aussi, vous inquiétez pas. J'ai juste fait un Alt F4. En voulant faire les raccourcis, mais c'était Contrôle et non Alt. Allez, on peut jouer ou on peut pas jouer à ce jeu? Bon, quelle belle intro de VOD. Merci à tous. C'est reparti. Faux départ. Faux départ sur Valheim. C'est le mode Super Saiyan de la rage, exactement quoi. Et j'avais fait une petite scène avec ça, normalement ça... J'avais préparé des trucs, mais vu que je vais tout refaire, je vais tout reprendre à zéro. Voilà, encore, je pense que je vais mettre un mois sans streamer et sans faire de vidéo. Histoire de... Parce que je fais un peu tout, un peu rien au final, bref. Ah merde, c'est pas ça non plus, désolé. Ok. Faux départ. On y retourne. Ah, superbe jeu. F3, F4, F2, F1, échappe. F2, c'est bon. Allons faire un tour dans la taverne de nuit. Ah bon, tout marche bien, ça va, c'est parti. Que je remette bien mon clavier, parce que j'ai tout nettoyé. Oh là là, c'est beau. La belle viande. Alors non, j'entends taper là. Non, non, non. Qui tape? C'est beau. Ça va, ils se battent entre eux.
Ok, on va aller dormir avant que ça foute le bordel là. Que je me fasse attaquer. Soufflez! Soufflez, madame, soufflez! C'est bien, merci les amis. Merci d'avoir soufflé. La viande, elle est toute fraîche. Non, il faut que je me mette tous les jours à bosser sur le stream et tout ça. Je vais revenir en force l'été avec un nouveau programme, des nouvelles horaires. Je pars pour mieux revenir, Cédric. C'est vrai. Si on peut pêcher. Là, il y a une petite porte. Faudra faire le musée des trophées là-haut aussi. C'est beau. C'est beau, dis donc. Voyons. Alors, c'est ça que je voulais voir. Non, c'est ça que je voulais voir. Je sais plus comment, je vous désole. Alors. Il nous faut 10 orges. Et 10 plaques bière. Dis donc. Oula, il y a plein de stuff ici, je vais le reprendre. Je suis vide. Attends. Si. Non, pas shift. Contrôle. Chargé. 493. Ok, on oublie. Faudra reprendre ça et pas oublier. Je fais du fer ou quoi? Allons faire du fer. On va faire un peu tout, un peu rien encore une fois là au début. Hein. Le temps de se mettre bien. Merde, c'est du ling. Et j'en ai encore de l'orge? Je sais plus. Merde. Ne dites pas que j'ai plus d'orge. Oui, je vais essayer d'aller battre le dernier boss. Je me prépare pour ça. Ah, je crois que j'ai plus d'orge. Oh la grosse galère. Bon, bah on va mettre 2 heures de plus. Non. J'ai plus d'orge. J'ai tout fait en farine, comme un gros débile. J'ai donc tout fait en farine, hein, c'est bien ça? On va voir si dans le coffre des plaines, j'ai de l'orge. Ok, il y a des villages ici, on va y aller. Hein. Ok, donc on va faire notre stuff. Déjà pour commencer. Voilà. Voilà, on va commencer par faire ça, on va faire du stuff. Une fois qu'on aura le stuff de fée, on va aller chercher de nouveau de l'orge. Une fois qu'on aura de l'orge, on va faire nos potions. Une fois qu'on a nos potions, on va faire à manger. Une fois qu'on a à manger, on va tuer le boss. Potions à manger, le stuff, on va tuer le boss. Ok, c'est parti, let's go. Voyons, c'est la préparation. Allons-y. Donc déjà, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Ah bon?
Attendez, mais c'est la... Cuirasse rembourrée, c'est ça la dernière, hein. Ok. C'est donc avec du fer. Fuck. C'est bien celle-là, hein, la dernière armure. Donc faut du fer et du lin. Combien j'en ai du lin? Du lin, du lin. Putain, j'ai... Ouais, chercher un peu de fer encore. Je crois qu'il va me manquer des ressources, qu'on va galérer. Oui ? Qui va là ? Je crois qu'il va nous manquer des ressources. Ouais, tout nu. Waouh. J'espère qu'on aura assez pour tout, au moins upgrade un petit peu. Alors là, on a notre, donc la cuirasse rembourrée. À nous. Et donc il y a une cape. Six pots de lock, c'est deux d'argent. Ah, c'est bizarre que ce soit... Pot de lock, c'est deux d'argent. On est beau, dis donc. Ça déconne plus là. Ensuite, il y a des armes à faire. Podlocks. Il faudrait qu'on ait changé le pouvoir aussi. Oh, elle est cool la base. Carrément. Il y a du boulot là, c'est clair. Ok, c'est pas là.
ça j'imagine que ça s'upgrade. On va l'upgrade un peu de 2 ou 3. Ah mais j'ai ça, pourquoi je l'ai pas pris, c'est vrai. Quel boulet. J'aurais pu porter 450. Ok, on va mettre ça là. Ah non, on va faire la cape de l'ox tout de suite. Yes. Est-ce qu'on va avoir assez? Là, on va tout mettre dans l'armure. Ça va être lourde. Pourquoi j'ai moins d'énergie? Parce que j'ai pas mangé. Et surtout faut pas que je meure parce que je faisais que mourir. En fait je perds des stats. En fait j'ai des stats de merde. Parce que j'ai fait que mourir à pas manger. Et à chaque fois il y avait marqué ici le petit icône qu'on perd pas de stats. Mais en fait j'en perdais quand même. Allez boum, niveau 4. Allez, 15 fers, on va aller les chercher quand même. Combien j'ai de poids là sur moi? C'est vrai que je peux en prendre plus. Ok, on a l'armure max. Excellent. Maintenant. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que ça fait mal? Perforant. Est-ce que perforant pour le dernier boss, ça peut être bien? Non. Avec quoi on pourrait l'éclater? À la massue, à la hache? Comment on va aller se latter ce dernier boss? À la masse? À la massette? Wow, le couteau en son brassier. Déjà ça il me le faut. Ah, porc épic, il est en fer. Alors, coupant 95 avec l'épée. Franchement, 50. J'y vais à l'épée? J'ai pas eu d'épée depuis le début du jeu. Les gars, épée, porc épic. Et j'ai plus beaucoup de fer pour le porc épic. Épée, porc épic, il nous faut le porc épic aussi. Ou alors direct grosse masse en fer? Enfin, je sais pas. Non mais là j'ai pas assez de fer par contre. Épée en argent, on est à coupant 75. Esprit 30.
Allez, go pour l'épée, on s'embrassier. Allez, go faire l'épée. J'espère que ça va être bon l'épée. Waouh. ...105 de perforant et 95 de coupant. Pfff. Test déplacement, moins 5, moins 10. Ça, c'est à deux mains. Yes, papa. C'est chéros, hein. Encore 30. Heureusement que je les ai farmés comme un cochon. Là, on peut tout faire, c'est parfait. Faut être niveau 7. C'est vrai que j'ai déjà mon bouclier en s'embrassier, parfait. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Sept, huit, neuf, dix. Qu'est-ce qu'il me faut? Qu'est-ce qu'il me faut de plus? 1, 2, 3, 4, 5. On dirait un bossu, quoi. Comment je me tiens? Je sais pas. Ouais, c'est parce que je suis comme ça. C'est à cause de ma capuche. Il y a le fond noir qui bug ici, non? Attends, laissez-moi voir ça une seconde, désolé. Oh là là, ça ira jamais cette histoire. Une seconde. Ah ouais. Ah. Ah, c'est chiant. C'est bon, ça déconne encore en fait. Oh là là, j'y arriverai jamais, mon Dieu, désolé.
Ça va, ça revient pas trop mal après. À part ce coin en bas là qui est relou. Ouais, ça ira, on va pas batailler 3 heures. Désolé. On y retourne. Écoute, je suis bossu, c'est la vie. Putain, ce fond vert, il m'énerve. Ah non, c'est pas bon. Mais non, mais c'est trop sombre en bas, là. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Attendez, attendez. Ah, c'est chiant. Ah, c'est plus bon là de nouveau. On comprendra pas tout ce qui se passe. Bon, je peux pas faire mon dernier niveau pour l'épée, je suis deg. On fait quand même 107 de dégâts. Et niveau 7, on l'a pas trouvé. Comment faut faire l'upgrade niveau 7? On sait pas le faire. Il y a un truc qu'on n'a pas fabriqué encore? Qu'est-ce qu'on aurait bien pu ne pas fabriquer? Les moulins, on a tout fait. Un matériau qu'on n'aurait pas fabriqué, le lin, on a tout. Pourquoi il me manque un niveau d'établi? Google est mon ami. Forge. Upgrade 7. Valheim. Frame. Make sure you have both Smith anvil and normal anvil. Then notice it was missing Smith anvil. Ah, oh, c'est en anglais, c'est chiant. Te forge les essentiels. 4, 5, 6. Il montre que 6 là. Oh là, j'ai mon écran qui flash, ça y est. C'est-à-dire que ça va encore déconner? Non. Auto-upgrade forge level 7. Let's get crafting. Auto-upgrade forge level 7. Assuming you used a smith anvil, forge tool rack and a grinding wheel. To get it to level 6, you need to build a forge bellows. No. To unlock the recipes, you need to find a resource named chain. Ok. On l'a fait le forge bellows. On l'a déjà fait. Pourquoi il est pas noté? Attendez. C'est ça là qu'ils nous disent de faire. Donc celui-là il est branché. Donc ça niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, niveau 6. Merde. Faut que j'aille dormir. Oh, on fait chier là. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Personne n'a une solution. It's typically taking up a little bit more room, as you can see. So I just like to keep it fairly compact. And then next up, we have these initial upgrades. So you can actually place it like a relative distance
I think you can still place it like above and below as well, which is an option if you're running out of space. Something like that's going to do. And now you can see we have 1, 2, 3, 4, and it's going to take us to level 5, which is actually the max level of the workbench, but the forge has two other upgrades we can do to make it up to 5, fine wood and 10 wood, and make ourselves a forge cooler, which does take up a little bit of space, so move this all around again, but for everything within close vicinity and quite much like this. 7 is going to be this forge tool rack here. Now it's going to take... Je l'ai ça. Ça me montre que c'est connecté. C'est connecté, on est d'accord, hein. Regardez, on voit le... ça. Donc ça, c'est connecté. Donc ça passe niveau 2. C'est connecté, ça passe niveau 3. C'est connecté. Ça passe niveau 4. C'est connecté, ça passe niveau 5. Mais merde, mais qu'est-ce qui me manque? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Pourquoi ça me montre lui là? Arrête de me montrer lui. Pourquoi ça me fait... Et putain, j'arrive pas à compter, les gars, c'est horrible, j'ai l'impression d'être mongolien, quoi. Ça... Attendez, j'arrête. Personne ne dit rien. Aidez-moi! Au secours! Est-ce que je fais de la merde ou pas? Je me rends compte de rien. Je recommence. C'est fou. J'y arrive pas à comprendre. Donc, 1. Donc, je fais la forge, elle est niveau 1. Je la passe en niveau 2. Je la passe en niveau 3, en niveau 4, en niveau 5, en niveau 6, en niveau 7. Et niveau 1, je la passe en niveau 2 avec ça. Je la passe en niveau 3 avec ça. Je la passe en niveau 4 avec ça. Je la passe en niveau 5 avec cette enclume de merde. Ah. 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 Merci, merci à tous. 5 bois, 20 fer. D'accord, d'accord, d'accord. Oh. Oh, je déteste ce genre de situation où t'arrives pas à chercher ce truc là si tu passes 3 fois devant. Moi je suis très doué pour ça.
me souviens peut-être maintenant de savoir pourquoi je l'avais pas mise. Parce qu'il y avait pas de place. 200 clumes, c'est le forgeron et la normale. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est ça la solution, je viens de la poser, ça y est, on est niveau 7. Yes. Merci beaucoup, merci d'avoir cherché. Merci de votre patience. Merci à tous. Yes. Un bois précieux, je sais pas si j'en ai. Oh non. Et 8 chaînes. Ah, je les ai pas les 20 bois. Ah ouais, j'ai plus de bois. Si, il est là. Et les chaînes, est-ce que j'en ai 8 chaînes. Bon. Le bouclier va pas trop nous défendre, je crois. Ça mériterait bien une petite hache en fer un jour aussi. Ouais, moi en fer, c'est pas on s'embrassier. Les chaînes, on va les garder. Alors combien j'ai de poids? Je suis à 49 sur 450 et ma hache est toute neuve. Faire un peu de bois précieux au passage et on va surtout aller chercher donc de l'orge. Ouais. Les amis, on va aller faire ça, on va aller tester notre stuff. Puis s'il fait beau, il fait... Comment ça va mon mignon? Eh oui, papa est là. Let's go. J'aurais peut-être dû me faire la massue quand même en fer. Peut-être. Je ne sais pas. Ah mais non, pas let's go du tour. Oh, boulet. Si on y va avec 36 HP, on va pas aller loin. C'était pour voir ma base de loin. Le problème, ça va être la bouffe aussi, je crois. À force d'avoir build, j'ai pas économisé grand chose. On a un peu de légumes. On a de quoi faire du pain. J'espère que je vais pouvoir récupérer la viande de l'ox, il me semble que j'en ai. On va faire la viande, toute la viande de l'ox qu'on a. Ouais, on va faire un peu de bouffe. Ça va être super chiant. Est-ce que je peux le faire déjà? Voilà. On va attendre un peu ici. En plus là c'est pas des viandes de l'eau, ce que j'ai mis c'est des viandes normales.
C'est bon, on va pouvoir les récupérer plus ou moins facilement. Oh là 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 là, les viandes sont en train de s'entasser. Oh! Oh, il y en a plein. C'est génial, on s'éclate. J'ai du bois en plus là. Ah, j'ai 3 chaînes ici, voilà, 6, 7, 8, 9, j'ai de quoi améliorer le bouclier si on veut. Le problème, c'est que si je pète quoi que ce soit qui est ici, je suis obligé de tout casser pour reconstruire. Donc je suis obligé de laisser comme ça au final. Ce qui est bien ennuyeux. Là, il n'y a rien, mais là, il y en a de ce côté-là. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça dans le jeu. On faisait vraiment avec tout ce qu'on avait, avec les restes, avec zéro vie. Je me suis vraiment pas trop occupé de la bouffe, quoi. Tous ces derniers temps. Ouais, c'est les 4 dernières, après on fait les celles de l'Ox, on va faire des gros plats avec celles de l'Ox. C'est coincé là-haut là. Ah là là là, il y en a trop qui sont coincés. J'ai peur de tout casser.
Faudra que je casse ça et que je les remette. Ok, donc on a ça, on a la bouffe de Lox. Alors les recettes, c'est quoi? Est-ce qu'il y avait les champis et tout? Je peux faire des trucs encore. Ça c'est de la viande crue. Alors les boyaux de la viande crue et des chardons. Mais j'ai plus rien de tout ça. J'ai pas de chardon. Si j'ai des chardons. Alors, combien j'ai de boyaux, parce que j'en ai plus beaucoup non plus. Merde. Il a mis des petites viandes avant de mettre les grosses. Du bête. Non. Plus beaucoup de chardon et on peut pas en faire pousser. J'aurais pas dû... j'en ai laissé 10, je crois. J'aurais dû faire plus de boudin que de saucisse. C'est trop bon, là, il y a du persil. Le beurre persillé, là. Ouais. J'aurais pas dû faire ça. Une petite queue de Nyx carbonisée. Cette farine d'orge que j'ai fait au lieu de me faire des potions de feu, yo bête.
Ouh, le jackpot qui est tombé là. Ah oui. Ah oui. Oh là là. Oh la grosse viande. Pourquoi on le récupère pas dans nos mains directement? Ok, on a des légumes. Alors, ça, c'est pour... ça, il faudra... Voilà, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, on peut faire. Trois carottes à champignons. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, on peut pas. Combien de plaques bière? On va aller dormir aussi avant de se faire agresser. J'en ai les... Fouah, trop bien, j'ai pu dormir et ça les a pas cramés. Bon. J'espère qu'on pourra choper les derniers. On a ça, on a la viande de l'ox. Ça va être bon ça. Allez, tombez mes petites viandes, tombez. Yes, je l'ai prise. Bon, ben là, il y en a une, c'est pas grave. Du coup, on peut en faire encore? Ah, si seulement je pouvais choper celle-là. Oh, c'est vert comme ça, c'était pas comme ça avant. Nouveau ça. Vous allez vous calmer tout de suite. On peut rien faire avec ça là. Ça je les garde précieusement parce que c'est tellement chiant à avoir.
Ah si, mais j'ai ramassé ma truc de Lox, idiot bête. Donc on reprenne ça, c'était 4. Hein. Bon, allons chasser. Enfin, on y est. D'ailleurs, je devrais aussi changer mon pouvoir pour prendre moins de dégâts. On va aller faire ça maintenant aussi. Si j'ai encore le portail. Généralement, je l'ai. J'ai pas de portail pour le boss par contre. Mes amis, c'est parti. C'est sur la droite qu'on va. On va aller à celui-là. Il me semble pas que je l'ai fait. Hein. Quoique celui-là, il serait pas plus près. On va passer par la montagne. Let's go. Ça va être l'heure de tester nos nouvelles armes. Moi, je connais pas un petit poney ou quelque chose. C'est bien avec un petit poney. Merci, Cédric. Pas croiser un seul moustique. Ok, bonjour. Ah, il y a l'air d'avoir du monde, très bien. Ok, au boulot. Et mon arc, est-ce que je l'ai augmenté est-ce que je l'ai augmenté de niveau, mon arc? Niveau 4. Ça tranche. Putain, j'ai réveillé tout le monde. Ça change de se battre. Oh dommage. Avec de la stamina quoi. Plutôt que d'être à 25 HP tout le temps. Et ben ça se passe bien.
En même temps, faut mieux. Et le stuff qu'on a. Facile que dans le chivalry. Qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il veut? C'était marrant le chivalry hein. Je sais pas si vous étiez là. Oh là mais il y a plein de monde sur les tours là-bas. Et lui il a une armure, qu'est-ce qu'il veut? Oh, il m'a évité. C'est pas du lin qu'on veut. Ouais, là il tend, mais il se concentre pour être précis, peut-être. Mais c'est vrai que c'est long le tir à l'arc dans ce jeu. Faut s'y faire. Et encore là, l'arc il tire loin, qu'au début, l'arc il tombe à 1 mètre de la flèche, elle tombe à 1 mètre devant toi. Comment ça, oh? Ça se fait mal là? Pas de freeze hein, s'il vous plaît. J'espère que mon stream va marcher, que tout va marcher. Alors du... Non. De l'orge. Non. De l'orge. Non. De l'orge. C'est pas ce soir qu'on va faire le boss si on n'a pas d'orge. Pas plus que ça en tout cas. Ok, on continue l'aventure. J'espère qu'on va trouver assez de lin pour faire quelques potions anti-feu. Si j'en ai 4-6, on va aller essayer d'affronter le boss. Hein. C'est quoi ça?
Qu'est-ce que c'est que ce truc en caillou? Jamais vu ça, moi. Oh là là, c'est un gros village. Oh le bâtard. Oh non, je fais de la merde. Ok, j'arrive. Au secours. Mais, oh là, je suis à 14. Ok, non, je déconne. Je suis à 14 HP. J'ai merdé avec mon arc. Je joue que à des jeux punitifs, moi, j'ai l'impression. C'est rien, c'est la remise en jambe, ça. Putain, mais pourtant, j'avais pas de la vie qui avait remonté. Oh là là, ça y est, ça va être casse-couille. Ça y est, ça commence, ça va être casse-couille. Valem, dans toute sa splendeur. Voilà, maintenant si on croise un moustique, on est mort. Putain, mais quel boulet, j'aurais dû me barrer, mais si je me barrais, je me prenais un coup de lance dans le dos et j'étais mort pareil, quoi. En plus, j'ai mon truc de résistance aux dégâts que j'ai même pas pris, purée. C'est pour ça qu'il faut pas jouer tout seul à ce jeu. C'est infâme. Pas du tout envie de batailler, pas du tout, mais alors pas du tout. Je suis mort dans un village parce que je fais de la merde. Et vu que je suis tout seul, je vais galérer 1000 ans là, aller chercher du stuff. Faudrait que je reprenne mon autre armure, mais après je vais être trop lourd, donc après faudra ramener ou faudra jeter l'autre armure. Ça, quoi qu'il en soit, ça va être chiant. De jouer entre le poids, entre le stuff pour repartir, pour revenir, donc fuck. Je suis mauvais, j'assume. J'assume ma nullité. J'ai un peu honte. Greedy avec ce truc, mais j'ai pas vu si j'avais remonté ma vie ou pas, puis il m'a démonté avec sa lance en 2-2, et puis j'ai merdé avec mes flèches quand j'étais en haut à faire que appuyer, parce que c'est super long de charger et qu'il faut... C'est bien quand t'es pas en panique, mais dès que t'es en panique, viser à l'arc, ça devient casse-couille comme pas possible. Non, le masque, je l'ai enlevé, ouais. Ouais, je suis tout seul, donc c'est chiant, quoi. Je peux pas compter sur quelqu'un pour venir m'aider à récupérer le stuff, même si c'est à 100 mètres de chez moi. Voilà, j'ai pas de bouffe maintenant, si c'est bon. Allez, ça va le faire, on reprend. Par contre, faut pas que je me fasse toucher. Hein. Il est où? Il est reparti? Il est revenu là-bas.
Ah fuck. Et là c'est là où j'ai paniqué tout à l'heure. Allez viens. Ouais ouais ouais. 167, ça va. Merde mais j'ai pas, j'ai paré, je voulais parer bordel. Oh ça commence, ça y est c'est l'enfer. Non non je suis pas mort sur ma tombe, je suis mort, la mort elle est... Je suis mort avant la deuxième fois. Ah mais là avec les moustiques je peux plus passer, faut que je fasse le truc, faut que je reprenne du stuff, je reparte avec le stuff, ce que je vous disais juste avant. Donc là tout seul ça devient, c'est juste casse-couille. Ah j'ai pris la... j'ai mis ce clic, j'ai pris Mazdos. Deux fois mort avec le même truc. On passe énervé, on passe énervé. Maintenant il va faire nuit donc ça va être infâme. Merci. Merci à toi. Combien j'ai de flèches ? 30. Putain de cailloux ! Ah j'ai 25 HP. Bravo. Oh non mais je déconne ! Ah non mais voilà, faut parer Juan. Ok, ok, ça pue. Oh putain, je vais encore mourir. Je vais encore mourir. Pas de stamina, j'ai pas de stamina, c'est infâme. Ça y est, c'est parti quoi. Valem, c'est vrai, j'avais oublié que c'était si casse-couille. Mais non, mais c'est moi qui m'y prends mal, hein. C'est pas casse-couille. Mais vous vous barrez pas maintenant que je vous tapez. Fais dodo. Est-ce que c'est une bonne idée d'y aller la nuit? Non. C'est pour ça qu'on va enlever notre masque. On était bien là-haut là. En plus le gros il pouvait pas me toucher.
Bon. En même temps, on n'est pas là pour farmer, on est là pour aller chercher de l'orge. Donc tant pis pour le fer, pour, enfin, pour le métal. Il a one shot. Je me fais toucher bêtement, c'est dommage. À mon avis, il y a beaucoup de monde encore. Hein. Qui me tire des lances là, celui d'en haut. Ok, c'est quoi ça? De l'orge. Et tout doucement, parce que s'ils arrivent à 3-4 d'un coup, je vais me faire éclatos. Par contre, faudrait revenir chercher le métal ici, un de ces quatre. Quand on saute à quelle heure, c'est pas dit qu'on y joue. Parce que là, on est parti pour farmer un bon moment. No!
Yes, je pense que là on est free. Maintenant, c'était combien? C'était 10 d'orge. Si c'est 10 d'orge, on peut même pas en faire 3 là. Et ça aurait été bien de faire... il nous faut 2 orges de plus, je pense. Ouais, ce serait pas mal. Non, c'était du lin. Je sais pas si je vais voir un autre village ou pas. Après, est-ce qu'il y en a un autre par là? C'est pas dit qu'on en trouve un autre. Après, ça va être démarré. Je trouve 299. Et là, les villages, je les avais faits. Et là, j'avais rien trouvé ici. Je rentre avec ça et puis on va voir si on en fait pousser ou si on, le cultive direct. Enfin, le transforme direct en potion plutôt. Allez, rentre à la maison! Si, on peut en faire pousser à la maison, c'est pour ça, mais c'est long. Ça prend plusieurs jours. Et j'ai pas envie de qu'on fasse le boss dans un an et demi. Mais je déconne ! Waouh ! Non, non, non. Secours ! Salopette. Bon, déjà on a trouvé un peu d'orge, ça fait plaisir. Cette expédition, même si on est mort deux fois. Je crois. Ok. C'est qui laisse les souches ici là? C'est qui couvre les arbres près de la maison déjà? Eh oui.
J'en ai déjà fait deux. Ok, on a déjà des trucs. Allons cuisiner. Attendez ce petit malin. Ok, alors, je vais en cultiver 8. Let's go, c'est parti. On reprend les crafts. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai branlé? Ok. Faut pas que je le loupe par contre, hein. Faut pas qu'il meure, quoi. Ça, c'est fait. La tempête ou je rêve? C'est la tempête! Merde, je vais jamais pouvoir les récupérer. Il me reste des queues de Nyx. Ah, il n'y avait pas des potions avec les queues de Nyx. Faudrait peut-être que je m'en garde. Ah, on en a un peu encore. Ok. Donc, on en est où? Et deux poissons! J'espère qu'ils vont tomber après. Donc, orge, j'en ai 30, on en a fait pousser, et c'était avec ça. Ça a monté le poisson. Le poisson, il va bientôt tomber, je le sens. Ouh, le poisson est sur le bord de tomber. On croirait les jeux de la fête foraine. Vous savez où on met les pièces si ça tombe?
coincé. On a tout pris là d'ailleurs les... Il en faut encore 6 de plus, ok. Putain mais tombez ! Il y a tout un tas là. Ça m'emmerde terriblement ce poisson. J'y arrive pas quoi. Ah mon dieu. Let's go. On va pouvoir aller affronter le boss, c'est sûr et certain. On a notre stuff. On a les potions qui sont en train de se craft. On a de la bouffe. On a tout ce qu'il faut. 1h36 de VOD. On va s'arrêter là. Non, on va faire 2h. On va jusqu'à 2h et comme ça on va le plus possible s'avancer. Et comme ça, la prochaine VOD, c'est on part affronter le boss. Ce poisson, il tombera jamais. C'est sûr. Yes, on l'a. Bon, c'est un peu chiant, mais... Ok, ça marche. Parfait. En attendant, on va pouvoir aller faire un peu de déco. Attendez, il me fallait les chaînes pour améliorer le bouclier. Qu'est-ce qu'il me fallait pour améliorer le bouclier? Est-ce que je pouvais le faire ou pas? Parce que là, on a 3 chaînes. Voyons ça. Précieux. C'est une hache qu'il faudrait que je me fasse aussi.
crever. Je vais crever, je vais crever. Allez, dépêche-toi. Tout va bien. On est vivant, toujours debout, toujours vivant. Menace ? Toujours debout, toujours vivant. Et bien heureusement qu'on a mangé, je vous le dis. Saloperie. Il n'y en a plus. Attention, les mouettes. Ouh ! J'ai pas vu. Ça c'est pas passé. C'est pas produit. Attention Attention le Lox. Il n'y a pas le combat du deuxième boss. Comment ça, je comprends pas. Tu me parles du deuxième boss. Ah, les moustiques, ils sont plus que gros. C'est pas des moustiques, c'est des morstiques. Deskitos en anglais, le vrai nom. Attention mon petit Lox, attention à tes petites fesses. Ouais, désolé. Ouf, ouh, il a saigné. Attends, je te libère. Et moi aussi, je t'aime, moi aussi. Un peu en retard, mais on se prépare tranquillement. Pour l'instant, c'est les préparatifs depuis 1h30 déjà. 1h42 de record, dis donc, ça passe à une vitesse. Et voilà, qualité max. Yes! Qualité max, on a refait tout notre stuff, tout full qualité max, impeccable. Tout ce qui est bouffe, on va le ramener là-bas parce que ça sert à rien de stocker dans les coffres. Cette base, ça peut largement accueillir une équipe de joueurs. Il y a la place maintenant. Ok, donc on a tout ça. Je me prépare à aller affronter l'ultime boss du jeu, le sixième boss. Le cinquième ou le sixième, je crois.
L'orge, ça pousse. L'hydromel, ça fermente. Je vais récupérer ça. Là, endurance plus 300. Donc ça, ça va nous être utile. En attendant, je pourrais faire une petite hache. Je vais aller dormir. Les potions, on va en avoir suffisamment. Ça, on en a 3. J'ose espérer qu'on va avoir assez. Ça m'étonnerait. Regarde comment on en fait, ça. Je pourrais me faire d'autres barriques comme ça. Allez, on va continuer un petit peu là-bas, tiens. Alors, un pissenlit, 10 framboises, 4 de sang. Et c'était combien de miel ? Et un pissenlit. On va faire un peu de déco, je pense. Tu t'es lancé sur Twitch, eh bien dis donc. Grâce à moi. Eh bien merci. Je t'inspire, ça fait plaisir. Et bon courage pour ton aventure. Jour 300. Il va falloir refaire des flèches aussi. Et qu'est-ce qu'on a dit qu'on voulait faire juste avant? Ah oui. Le pissenlit. On n'a pas remis nos abeilles non plus. Alors, est-ce que c'est cher ça? À mon avis, oui. Je sais pas si je vais pouvoir en faire. Donc, il faut 60 de bois précieux et 10 bronzes. 60 de bois précieux et 10 bronzes. Ça peut être faisable, je sais pas où on va les mettre ça. Déjà, je vais prendre de quoi les faire. Ça me fait chier. Oh, j'aurais dû prendre la charrette. Ouais, j'aurais dû prendre la charrette, c'est pas grave. On va mettre un tout petit peu plus de temps.
Bon, y a pas de forêt en fait. Moi j'étais dans un petit coin de forêt, mais après elle est super loin la forêt. Elle est là. Donc est-ce que je me fais chier à y aller à pied? Parce que là j'ai tout pensé là. Allez, je vais prendre cela là, je vais prendre ces trois armes, mais ça va pas nous faire 60. Il va falloir que j'aille quand même en chercher, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. Tous mes arbres à côté de ma base. Non, je les prends pas. Saloperie! Ok, barrez-vous les locks. Sinon je vais faire... C'est vrai qu'on aurait pu faire une hache. Là on doit taper 4 coups, peut-être qu'avec une bonne hache on aurait 2 coups à taper seulement. Dégage, 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 j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ce jeu. Et stop! Pourquoi il meurt pas lui? C'est chiant. Rien pour aller chercher du bois, sans merde. Si. Je pouvais les tuer facilement, mais non, mais ça prend 1000 ans, ça va me prendre toutes mes ressources. C'est à moi, ça. Oh, il est chiant. Et dégage! Vous n'allez pas vous y mettre vous aussi? C'est mon bouet à moi. Je vais le prendre ici si vous voulez. On peut cohabiter, non? Vous avez pas de bras là, vous avez pas de hache. À quoi il vous sert le bois? Oui, Flo. Manger, mais ça y est, j'ai jamais autant mangé. Ah, c'est vrai que si je mangeais, je risquerais moins de me faire défoncer la gueule au premier mob venu. Eh ben, il manquait plus que ça. Alors lui il vient, il m'agresse, il crie, il s'en va. L'autre il me tire des... Mais il est où? Il...
possible ce jeu, c'est pas possible, j'en ai ras le cul. Les lances, ça vient de là, il est là, il est là-haut. Dégage! Il est où dans les cailloux? Il est caché dans les rochers? Putain, mais. Pff, je voulais juste prendre du bois, je voulais juste prendre du bois, en fait. Je voulais juste aller chercher du bois dans un jeu de survie. C'est juste ça que je veux faire. On peut le faire ou c'est pas possible? Mais mec, tu t'es pris pour Cliffhanger ou quoi? Et il est où le nain invisible là? Bon, il m'arrive beaucoup trop de choses chiantes en peu de temps là. On va faire comme si tout allait bien. Ah mais il est là, cette tête d'ail. Attends, on va s'occuper de toi là. Salut Alexis. Pas de panique. On est à 26. On a la moitié. C'est pas long du tout. C'est bien, l'hydromède il fermente comme ça. La potion anti-feu. Mais est-ce que j'ai encore un bateau moi au fait? J'espère que oui, j'espère qu'ils ont pas tout cassé, ces salauds de gobelins et tout. À mon avis, ils m'ont tout bousillé, mais bon. Espérons que non. Non mais barrez-vous là, on veut juste prendre du bois et rentrer chez nous. À côté de notre base. C'est pas bien compliqué dans un jeu. Ah si, apparemment c'est chiant. Ça emmerde tout le monde. Mongolito. Allez, dégage. Reste là, reste là. Oh là là, mais y a pas plus chiant. Plus que 6. Allez, Cassos. Ah, il se monte dessus, il se monte dessus. Tiens. Me casse. Vite. Vite, il a... Ouh. Je déconne. Je déconne. Oh non. Oh non. Oh non. C'est bon, je vois mon bateau là-bas. Ah, mais c'est le petit. Attendez, j'avais les deux garés l'un à côté de l'autre. Je suis sûr, ils m'en ont coulé un. C'est salaud. Il reste le petit, évidemment. Soul, c'est aussi. Kéo.
Alors, où est-ce qu'on met ça maintenant? Où est-ce qu'on peut mettre ça? Salle du trône? Ça n'a pas trop de sens. Si, ce serait les boissons privées du seigneur. La sauce soja. Mmh. Où est-ce qu'on peut mettre ça? Là-dessous? Non. Après, c'est joli partout, hein, ça décore. Faudrait les mettre un peu sous un toit, abrité si on les met dehors. Dedans, il n'y a plus de place. Là, ici, à la rigueur. Et ça, c'est plutôt un endroit de passage. Et là, je voudrais mettre des tables, donc il n'y a pas grande place. Oh, ça a l'air d'être prêt ici. Ça fermente ou c'est prêt? Ça fermente. Où est-ce qu'on va mettre ça? Pas dans la forge. Là. Non. Alors, pas dans la salle des coffres. Pas là-dessous. Parce que c'est le port. Pas dans ce petit endroit extérieur. Pas dans l'atelier. À côté de l'auberge. C'est belle cette auberge. À côté de l'auberge, ça va être le mieux. Là, au rez-de-chaussée de cette maison, qu'est-ce que ça va être la capitainerie ici? Parce que le lit, il devrait dégager un jour quand même. C'est vrai que moi, j'ai pas de chambre. Après, là, ça peut être juste un petit accueil. Ça, je pense que je vais l'enlever. C'est juste un petit accueil avec une table et de quoi s'asseoir et des cannes à pêche en décoration. Et pas grand chose de plus. Ouais, dehors ça peut être pas mal. Là c'est l'entrée pour aller un petit peu au coin du lin. J'espère que je vais tout pouvoir reconnecter. J'espère que je fais pas de conneries. Je vais mettre là, je pense. Sous l'escalier de la taverne, plutôt, tu dirais là. Par ici, quoi. Comme ça, ça pourrait être plus logique, effectivement. Tu fais bien de me le dire, parce que pourquoi pas les mettre là, effectivement. Là, ça serait joli, parce qu'on passe au bord et que ça change. Plutôt que de voir que des murs et des dalles, il y aurait les bidons, ce serait sympa. Mais ça a moins de sens de le mettre là que de le mettre là-dessous, quand même. Je pense aussi, ouais.
Ok. Yes. Si on décorait un peu. Ah ouais, mais j'ai plus de. Il me faut du bois précieux pour faire de la déco. Ah là là, c'est con que j'en ai plus. YouTube va faire une petite pause pour vous. 2h20. Oh là 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 là, mon dieu. Ça passe tellement vite. Bon, en même temps, on a fait que se préparer. Mais je pense qu'on reprend une VOD quand on va aller à affronter le boss. Nous, on va faire un peu de déco. On va voir ce qu'on va faire en attendant que les potions se terminent. Des bisous, YouTube. A très vite pour peut-être la fin. Peut-être la dernière VOD de Valheim. Qui sait. Suspense.